Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde dans ou sous Tactique 9, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. Jour J moins 1, jeudi en séjour veillé, yon jour avant l'ultime au revoir au président Jovenel Moïse avant yon mette l'anté, avant yon rendre yon dernier hommage. Déjà là, moun nan or yon campé contre toute initiative qu'a prend pour funérailles à tort organisé. Yon dit que enterrement président yon pas fait avant yon mari assassin yon, avant yon mari traite yon, avant yon mari tout auteur intellectuel, tout coupable, tout complice de sac passé. Et effectivement, depuis hier, là, il y a un gros désordre qui commençait à faire dans le cap haïtien. Une zone qui relait les parois, il y a des gens qui perdent la vie hier. On l'autre zone, il y aurait les carrefours en mort. J'en ai des zones dans les carrefours en mort. On s'en zone qui pas manger en écfret. Hier soir, c'est balnet à aller qui a pété, bal qui a fait orchestre, bal qui a fait chorale. Donc, quoi, imaginons que, moun nan nan yo yo paré pour funérailles Jovenel Moïse, yo paré pour yo venir faire des ordres, yo paré pour yo empêcher déroulement cérémonie. Cause Léon Chollan, yo pas mélangé avec ça même, yo pas qu'attendre parler de Léon Chollan. Et nous pral comprendre que réellement pas qu'un chef, une institution policière qui là pour protéger, qui là pour bailler service et encore plus son président de la République pendant que au chef la police toute police ça sous commandement yo assassiné un président et pour pas l'autre bagaille pour faire ou vinn défiler avec pile machine ou pile cortège ou pile sécurité dehors ou vinn faire show off ou vinn faire show médiatique dans ville là qui sortait attendre ou t'attendre à ce que population capoisan que mon cap t'a porté belle fleur pour ou yo t'a bat bravo pour ou yo t'a recevoir en niro comme moun qui te font bagay qui te protéger président etc. ou pas te faire rien non Port-au-Prince c'est Port-au-Prince si population Port-au-Princienne si moun nan Port-au-Prince yo ponjon et accepte jon et regarde dans yeux ou pas ka prétendre que mon capable faire le même gens pour bandi nan Port-au-Prince bon bout de terrain. Donc, moun ou kap, yon population kapoisan, yon même yon ka décide ou bon bout de terrain tout, parce que yon pa pron pou. Moun yon pa considère ou existe dans le pays. Yon pa considère ou abje ou institution. Donc, on comprend fok policier ou fait travail yon, on comprend fok policier ou protège yon, on comprend fok policier yon et débléye la rue yon, fok yon mette sécurité, fok yon gérer périmètre, etc. Mais, en nous sérieux, Léon Charles ou pas digne pour marcher sous moun, ou pas digne pour venir parler dans nos PNH, ou pas digne pour bagay sa yo. Parce qu'on pas en mesure pour protéger population civile là, même président pays yon pas en mesure pour protéger, jodi an la. Qui place ou qui wolwa qui sont servis qui sont utiles. Finalement réalisons bagay nan pays ça. Nous tellement couvrions ba hypocrisie politique. Nèg yo tellement c'est intérêt mesquin yo, c'est tête yo ou seulement yo pa wè pays. Na imagine nou, un crime aussi crapuleux, un assassinat aussi sordide, don bagay aussi laid aussi vil fait comme ça et puis nèg yo au lieu pour yo ta di bon comment on a fait comment on a mettre ensemble pour nous chercher pour nous bailler président en justice comment on a mettre ensemble pour nous laver image pays comment on a mettre ensemble pour nous faire avancer société civile comment on a mettre ensemble pour nous faire bagay qui positif nèg yo préféré là yo a bataille pour pouvoir il a fait toute l'autre bagay sauf ça qui était ca utile pays en tout bon. Ou imaginez nous, on juge Jovenel président 2017 il prête serment. 2018, on juge d'instruction il prend le parole, il met ton mandat de président pour assassinat. Donc est-ce que nous comprenons le dilemme? Non président en fonction, on président qui prête serment qui légitime ou met mandat de elle. Et qui sa organisation doit moun yo jam di? Rien. Ou est passé le fameux Pierre Espérance, il pas là, il pas jamais ouvert bouche pour dire rien. Alors que si toute bonne son organisation qui défend droit moun indistinctement ou pas garder sous nom ou pas faire politique ou son organisation qui neutre ou t'as supposé pencher oui sous le président Jovenel Moïse. Les juges d'instruction ça, leur tête li était parti pour te mettre un mandat de un président en fonction, t'as supposé dire hey, halte là.
En nous rassembler preuve toujours. En nous tonne, le président fini mandal n'a pas attaqué l'injustice. Mais pendant le président là, nous pas qu'à faire rien si pas gon flagrance, nous pas qu'à faire rien si c'est pas autre coup de justice qui jugeait, etc. Nous pas jamais dit rien. Nous kembe peuple en ignorance, nous zombifier peuple. Nous rallier population dans même cause nous, alors que son cause qui pas jamais juste au départ. Son cause côté que nous pas jamais éclairer population sur ça qui passé, sous manœuvre politique nous t'a fait yo. Beaucoup jamais organisation doit mon entrer dans politique. Parce que vraie mission c'est défendre droit monde, c'est protéger droit monde, c'est protéger intérêt tout monde. Si un gouvernement qui pas marche bien ou supposé dénoncer, mais c'est pas que ou entre dans politique tête baissée tant que JNDDH fait là. C'est pas comme ça mon organisation droit monde, c'est pas comme ça mon gérer organisation des droits de l'homme. L'offre un bon bagay qui bon dans cette organisation, comme je m'en dis, mais le ou pour organisation, pour régler les affaires personnelles ou pour régler les questions politiques ou, faut que nous disons pas bon. Gardez, j'ai assassiné le président Jovenel Moïse. Et RNDDH t'a supposé au créneau, t'a supposé monter au créneau, yo t'a supposé prendre mégaphone yo pour y demander justice, même Jacques tout le monde, pour y demander à ce que procès a fait, pour y demander à ce que enquête abouti, pour y demander pour vérité en jaillit. Yo t'a supposé faire, c'est silence absolu, silence radio. Ça a montré, ça a justifié que nous pas gon société civile vrai dans pays, hein? Nous pas gen des organisations de défense des droits humains dans pays, hein? Tout bon. Parce que bon, dis non bagay. Nous gon groupe nèg nan bourgeoisie là ka pese peuple qui sont fardo lié pour peuple haïtien. Yo empêcher pays avancer, yo empêcher population jeune sak pou yo, yo empêcher développement fait. C'est eux même qui pour jeune yo prend prêt, yo gen contrat, yo fait sur facturation, yo a bamboché. Et voilà. Na songe président Jovenel Moïse, li te gon combat t'a mené contre yon frange nan oligarque corrompu. On parti dans oligarque corrompu. Et on pral comprendre que groupe nèg sa yo, président Jovenel Moïse te identifié pour te combattre contre yo même non. Nèg sa yo, pour la plupart, yo pas aussi visible, pour la plupart, yo pas jamais monté sous scène politique là pour yo montrer que personnellement yo gon problème avec président Jovenel Moïse. Mais yo te gen petit yo t'a utilisé, yo gen ti nèg nou etan kou nou, des semblables avec président Jovenel Moïse, yo t'a utilisé. Nèg sa yo même là yo pas jeune gros mot sur gâteau, mais y a les miettes, ti ribab kap tombe à tête tout bo table là. Yo te là pour yo ramasser, yo te là pour yo prendre le mettre dans poche, mettre dans assiette yo. Gon bagay ti nèg nou ici blié. Bourgeois li utilise bourgeois pas zanmi ou. Bourgeois exploite, mais le pas en mion. C'est normal, ou besoin 20 ou 30 ou 40 000 dollars américains. Li même li gen 1 milliard de dollars la défend. C'est normal la ba ou lui, la voka se brise pou li. C'est normal la investi 200, 300 000 dollars nan ou le pa minan yen pou li, pa vle di yen pou li. Parce que li gen des milliards de dollars li même li vle protéger. Et milliard de dollars la protéger, hein, c'est au détriment de tout peuple haïtien. C'est au détriment de tout monde qui semble avoir yo. Mais nous tellement cupides, nous tellement ouais cette tête nous nous compter seulement, ça pas dit rien pour nous, ça pas garder nous. C'est une raison qui fait combat ça t'a mené là pour changer un système, pour au moins garder qui ça ca changer dans système non. Parce que c'est sûr et certain, président Jovenel Moïse, j'en t'a mené combat. Jean t'a mené combat contre frange de l'oligarchie. T'es gon l'autre groupe tout oui, t'es gon l'autre groupe. Groupe ça peut-être était plus influent dans craser mais t'es gon l'autre groupe. Jodi on s'est choisi vraiment pour nous dire n'a combattre l'oligarchie corrompu. Si nous dit n'a combattre voler assassin assassin ça yo. Gon paquet traitement qui gagne. Gon paquet traitement de faveur qu'a fait dans tête l'état. Faut que commencer par son quoi sou yo. Parce que c'est l'argent gaspillé. C'est dépenses inutiles yo et pour budget.
pour me retourner sur réseau droit moun yo qui a fait travail en partie, qui pas fait travail yo de manière générale, qui pas viser tout moun nan enquête yo, qui pas viser protéger droit tout moun. Li te évident depuis le juge d'instruction ça, li te sorti mandat ça pour nous t'étendre haut et fort tout membre société civile là. Tout différents membres organisation doit moun yo pou yo te lever pou yo te faire unité pour yo te mande à ce que CSPJ révoque juge pour yo te mande à ce que la justice retire grain ça nan mitan yo parce qu'on pas ka un juge pour gagner des affinités politiques des liens politiques qui empêche ou fait travail ou qui empêche ou gen clairvoyance dans travail ou fait. Nous pas qu'à prendre justice hein, nous marrer la politique. Nous pas qu'à prendre exécutif là pour nous marrer avec intérêt personnel nous. Nous pas qu'à prendre législatif là pour nous lier avec exécutif là, pour nous lier avec justice hein. C'est trois pouvoirs qui indépendants yo. Yo n'pa gen pour un l'autre. Mais nèg si tu avoir yo gen intérêt, tout intérêt nèg zen exécutif là lié. Ou mettre les nèg là li gon poste aussi respectueux pour juge. Juge de la cour de cassation, li nan cour d'appel, yo nan cabinet d'instruction, toute vision yo c'est exécutif, toute vision yo c'est comment yo ka fondi la président, toute vision yo c'est comment yo ka jwenn nèg dans politique la influencer yo pour yo gen aspiration pour yo vin président de la république. Alors que c'est pas droit, c'est pas rôle, c'est pas place ou. Mwen impression c'est seul Haïti juge yo wè yo minimum comme ça. Juge yo pas respecter fonction yo. N'est pas possible. N'est pas possible. Sous nous poste qui est aussi important ou pas ba tête ou valeur, qui est-ce qui va le valoriser? Sous pas respecter poste ou matin midi soir prêler pour mander président faveur, ou prêler pour mander président bon petit miette, ou prêler président pour mander un petit poste, ou mander président, ou mander président, ou mander premier ministre. Comment ou voulez yo respecte ou? Comment vous voulez pour yo gado? À juste titre, alors que pas respecté tête tout. C'est ça qui rive, c'est ça qui rive sénateur nous, c'est ça qui rive député nous. Nègre là, li non fonctionne, pas respecté fonction là. Li préfère vendre vote li pour 50 000, pour 100 000, pour 200 000, 1 million de goud. C'est ça yo fait, c'est ça seulement nègre yo fait. Et puis, représentant ça yo, à chaque élection qui peut arriver, y a tourné. On même pour population, votez, m'la pour nous, m'a ban nous serv. Qui service? Qui service nous, j'aime joindre nan men parlementaire? Nègre la li vin là, c'est immunité li vin chercher pour le passer zam. C'est immunité, c'est machine officielle li vin chercher pour le passer bandit, pour le gérer bandit. C'est passeport diplomatique li besoin pour famille. C'est ça, chiche. Empêchons président fait travail li. Monter des groupes parlementaires de l'opposition. Empêcher président fait. M'ka comprendre que des groupes parlementaires. Qui la pour avoir à bonne marche sa président a préglé, sa exécutif la préglé. M'ka aucun problème à cela. Mais c'est l'ordim, nous montons un petit groupe opposant parlementaire, nous empêchons budget voté, nous empêchons séance faite, nous empêchons loi ratifiée, nous venons avec beaucoup de poupou, nous au parlement, nous souillons parlement, nous salissons l'institution, et puis nous relèvons nos parlementaires. Pour qui ça n'a pas réglé? Pour qui ça a été voté? Nous plaçons pas de jambes là. Plaçons pas de jambes là. Si nous sommes opposants parlementaires, travaillons sur projet, venons avec des lois, venons avec des propositions, faites ça, mettez-nous là pour nous faire. Mais ce n'est pas question de défendre l'intérêt de bourgeois, l'intérêt de mulat dans le parlement. Et certainement, l'homme dit nous, n'exagérons pas assemblé avec Timulat, pas prendre pour des propos racistes. Parce qu'effectivement, si on pas de besoin politicien yo pour utiliser yo pour protéger pour défendre intérêt yo, yo pas même kon si yo existe. Yo pas kon si yo là. Bon, imaginez nous bien. Garde comment finalement un petit groupe mette tête ensemble pour yo faire qui ça, pour yo exploiter toute une population, pour exploiter la masse, pour détourner les fonds du trésor public dans seul profit. C'est parce que c'est tête ouais, c'est parce que c'est famille ouais, c'est parce que c'est génération future par ouais. Et c'est ça toujours, nèg lan li gen 50 ans,
depuis l'a géré en institution. Petite li fait, petite li gen 30 ans, li mette petite li en bas avant li. Yo a formé génération future par yo comment pour yo venir exploiter qu'est-ce l'état, comment pour yo venir exploiter trésor public là. Alors que ou même qui relait tête aux politiciens, ou même qui relait tête aux sénateurs, ou relait tête aux députés, ou bail tête aux organisations de défense des droits humains dans société civile. C'est vrai, y a beau des avantages minimes, basiques, en façon pour retirer femmes dans l'extrême pauvreté, hein, pour sortir qu'on a misé à au moins monter dans la classe moyenne, non. Mais dans la classe moyenne, on monte, y a pas exploité, ou pas jamais arrivé pire que ça. Y'a créé toutes conditions pour être dans la limite ou hier. J'en dis à nos quatre séries de nègres qui n'ont pas politique, là. Qui peut être réussi, yo réussi financièrement, yo gen de quoi pour yo vivre, yo gen de quoi pour répondre à besoin famille, yo pour yo acheter une machine 2021. Yo ka fèl, mais après. Si l'histoire pas ka bon garantie de vie, ou met fè 50, 60, 100 ans, ou a vivre sous terre, ou a toujours été moun ou ye a. Toute génération ka gen pour venir a toujours gardé comme moun ou ye a. Ou son empêchement pour société avance, ou son empêchement pour Haïti développer, ou son traite, ou son politicien sous-sous, ou son bonne, nous son bonne soufflant, qui pas régler rien, qui pas jamais régler rien. Y a toujours gardé nous comme des quatre marqués. Et quatre marqués nous y dans société, nous pas gain place. Et ça fait ou prend un paquet de politiciens, je dis Abdou. Ça y tel t'a fait dans le parlement, pas gain place là. Nèg ça pas gain place là. Parce que effectivement, ou montrer, ou t'es pi bon dans domaine ou t'es que dans politique là. Ou montre souterrain t'es par exemple chanteur t'es t'as chanté ou t'es capable pi bien dans yeux tout le monde de kawa grand mon entrer tête non politique tout ça rien fait c'est craser institution yo c'est sale image institution yo et pour prétendre à défendre intérêt peuple comment on ka défendre intérêt peuple si peuple là pas retrouver là ou même ou pas qu'à dire devant le peuple, c'est même, je dis en là, nous, ouais, André Michel qui mettait comme figure de l'opposition politique, la défend intérêt peuple. Population pas retrouvé dans eux-mêmes. Sous dit que, ou descendre chan mars, ou regrouper un groupe jeune, ou mettez, ou l'ordi mettez barricade, boule, caoutchouc, empêcher moun passer. Là, moun sa retrouvé dans eux-mêmes parce que yon sous ordre. Mais l'homme, de sous ta fonction d'âge, majorité population abdou. Mais non! M'pas de bal mandat pour le représenter. M'pas de dire m'tenant opposition politique. Pi gal parle nan nom, pi gal défend moi, m'ka défend tête moi. Y'ap dit ça parce que yo pas retrouvé ou nan opposition politique ça. C'est de même jodi an la, gon groupe moun ki pas retrouvé yo nan façon y'ap mené enquête assassinat président Jovenel Moïse. Gen intérêt là pour enquêteur pour travail très au sérieux. Parce que ça moi ka vini là, li trop pour payer, nous pas ka gérer. Nous pas gain en dedans pour nous gérer bagay ça, nous pas gain la police pour nous gérer bagay ça, nous pas gain l'armée pour gérer bagay ça. Parce que côté population capoisan commencer là yo même yo dou c'est justice y a tann pour président Jovenel Moïse, yo pas avle enterrement fait sans que justice parande, sans que vérité a pas sorti. C'est commencement chalandais. Et effectivement depuis ces moun qui connaît ou impliqué de près ou de loin, depuis nous te gete sorti nan enquête comme moun qui te participé d'une manière ou d'une autre, population gen yeux sou ou. Et y a pire si nous ta quitté ces peuples qui cherchent bay tête de justice. Est-ce que nous qui quantité de gars k'ap gen pour passer dans la République si nous ta décidé bâcler enquête ça? Et effectivement, mande tête ou est-ce que ou gen chance pour enquête ça pour l'aboutir? Parce que nous pouvons jamais entendre FBI, nous pouvons jamais entendre justice américaine, yo maré chef entreprise CTUA, non? Alors que Neglan, li prend la liberté pour le Joker, li même li pat finance coup d'État. Yo pat finance coup d'État, yo te finance son transition politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça bagay ça veut dire? Yon président démocratiquement élu mandal pour qu'on fini et pour tande à financer transition politique. Qui est-ce qui te, j'en dis à mon tête nous, qui groupe qui te gagne intérêt dans transition politique? Sans que m'pas besoin faire la chasse aux sorcières.
Mais nous comptons tout nèg yo, nous identifions tout nèg qui dans opposition politique là qui t'a demandé transition, gen nèg qui dans le secteur privé en yo même, yo té dou yo partant pour té gon transition politique. Jodi an là, qui sont les cibles? Qui sont les cibles de l'assassinat du président Jovenel Moïse alors que c'était eu à parler de transition politique? Qui y a jodi an qui gen avantage dans transition politique là? C'est pas 10 000, 20 000, 30 000 dollars, non? C'est pas 1 million de dollars. C'est près de 20 à 30 millions de dollars qui dépensaient pour assassiner un président. Intérêt qui en jeu, yo, pas de pitié. Moun qui t'a dépensé l'argent, yo, gain l'argent en main, yo. Donc, faut comprendre et faut qu'on ait très clairement, Jovenel Moïse, li ton barrière. Li ton barrière pour nèg politique en Haïti, yo, pour opposant, yo, pour frange ça, pour groupe ça qui était dans l'oligarchie. Hein? Parce que l'oligarchie corrompu, moi même toujours dit non, c'est pas seulement nèg ça au président Jovenel Moïse t'a dénoncé. Hein? Te gen l'autre qui était en Basel li tout, qui t'a soucié peuple, qui a soucié peuple jusqu'à date. Et là n'a pas chavirer le système là, et là n'a pas changer toute donnée, c'est tout qui pour passer là-dedans, c'est tout qui pour passer dans changement. C'est pas seulement un petit groupe, c'est tout. Donc nèg yo te gen l'argent pour dépenser pour assassiner Jovenel. Effectivement, yo pas gen l'argent pour investir Haïti, yo pas gen l'argent pour changer vie moun dans pays là. Oh, complot ça sorti loin, sorti haut, il sorti très haut. Et voilà. Yo tout ta bataille pour après Jovenel Moïse. Jodi a la, gon bonne partie dans population haïtienne nan, ki wè Jovenel Moïse comme un martyr. Comme un moun qui sacrifiel pour peuple haïtien, comme un moun qui sacrifiel pour changer système nan, pour changer condition vie tout moun. Qui a sa après Jovenel Moïse qui pral vini là, qui pral décider camper tête contre nèg sa yo? Nou konnen yo. M'pa besoin de faire appel pour nous. Et même nèg sa aujourd'hui yo fait tête yo passer comme victime système nan. Yo fait tête yo passer comme des victimes du président Jovenel Moïse. Et c'est dommage que gon groupe nan population kap sympathiser avec yo. Gon groupe nan population kap bat bravo pour yo. Gon groupe nan population jusqu'à présent yo pa ka wè clair. Yo pa ka wè nan jouet nèg sa yo. Yo pa ka wè si y a détourné vrai bataille lan, vrai objectif combat. En faveur. Yo tout dou yo ka changer système nan. Mais oublier si c'est système nan qui fait yo, yo oublier si y a bay système nan service, yo oublier si yo profit de système nan. Et you nan pi gros défaillance système nan, c'est que jodi an la, li impossible pour nous limiter quantité parti politique pays an gen. Li impossible pour nous gérer parti politique ça tout coup jonjon sans idéologie, sans vision. Sans formation. Mais yo là pour yo venir pétrer pied moun, yo là pour yo venir constituer des partis de l'opposition, yo là pour yo venir faire coalition. Emmerder un président, emmerder une population, emmerder les intérêts publics. À la belle ça ta belle si n'te gon opposition constructive dans pays. Si n'te gen des hommes valables dans opposition qui t'a pensé pays. Des hommes valables qui t'a pensé progrès, qui t'a pensé changement, qui pas de division ça nan yo, qui pas de haine ça nan yo, qui pas prêt pour trahir nation. C'est dommage. Mais nèg sa yo, qui t'aime dit nous très sérieusement, l'histoire prend note pour nous. Population prend note pour nous, y a songé nous. Y a songé nous, y a songé petit nous. Et si papa ici n'a pas retiré nous sous moun nan question politique, nan question pour nous venir représenter dans l'élection, nan question pour nous dire venir défendre peuple. Si yo pa ba nou kanè, si yo pa voye nou al non kon, yo pa fè encore. Et c'est que yo pa prend exemple, yo pa prend leçon de politique là. Yo pa prend exemple nan ki niveau cupidité nous, nan ki niveau noir vide, nan ki niveau nous tellement remè l'argent n'a vann propre nom nous. Donc nous rive loin. Nous arrivons très loin. Et complot ça qui mettait fin dans vie président Jovenel Moïse. En pile là nous te connais. En pile là nous te au courant de lui. Mais comme ça pas garder nous, comme n'a besoin intérêt nous là-dedans. Qui te mêlène. Et pourtant, peuple prend note pour nous. Population haïtienne prend note pour nous.
nous pas innocents. Jean ça t'a annoncé là 23 juillet hein, c'est date funérailles président Jovenel Moïse. Nous souhaitons nous en pile prudence ou même qui décide à l'assister à le rendre un dernier hommage à président fait ça mais avec en pile prudence parce que nèg yo a veillé nèg yo a gardé tout comment yo ka mettre désordre tout comment yo ka mettre instabilité tout comment yo ka créer violence en dedans pays a. En nous prudent, en nous veillons une sous l'autre, parce que combat, président Jovenel Moïse, t'a mené, combat a pas fini. L'an mort, Jovenel Moïse, pas qu'à mettre un bout, avec combat, t'a mené contre oligarchie corrompue, contre nexayo qui a fait payer en mal, contre nexayo qui a fourré maintenant, déjà coup de peuple, sans garder derrière, contre nexayo qui a fait surfacturation dans l'État, contre tout nexayo qui t'est entouré, président Jovenel Moïse, mais pourtant, c'est des hypocrites, des traîtres chotés. Des nèg qui t'a baï président Jovenel Moïse garanti que tout bagay marche bien. Président, et bagay yo marche bien président. Oui, nous pral attaquer village de Dieu président bon garanti, ou pa tande parler de bandi sa yo, mais pour pire aide y a frappé. Pour pire aide y a déstabilisé pays. Pour pire aide y a mettre de l'eau dans j'ai plusieurs familles haïtiennes. Président Jovenel Moïse tombé, c'est vrai, mais bataille là pas ka camper. Ou même qui ka dénoncé yo. Ou même qui ka joué une preuve contre yo, cherche preuve yo. Ou même qui ka traîné yo devant la justice, fait ce que tu dois. Parce qu'effectivement, on pays pas ka marcher comme ça. On pays pas ka fini comme ça. Et nous pas ka croiser bras nous à garder nèg sa yo, ka tout pizi sa pi faible yo. Avenir yo assuré yo même. Avenir petit yo assuré, avenir 5-10 générations k'ap gen pou vini nan fami yo assuré. Mais ou même gade tête pou. Gade si avenir assuré. Gade si ou ka fon petit jodi, gade si avenir petit ou assuré, gade si avenir génération k'ap gen pou vini nan fami yo assuré. Parce que jan ni la, jan nèg yo créé condition pou rete nan mizè, nan extrême pauvreté a la. Nous pas qu'à presser à génération qu'à venir. Si nous pas décider de changer ça, nous pas même besoin de penser à ça qu'à venir. Parce que l'évident là, l'éclair devant Zio, ou elle, Negio réunit toutes conditions pour Haïti tourner Somalie dans Caraïbes. Nous devons battre contre ça. Nous devons battre contre Negio pour nous changer ça. Parer tes bras croisés à regarder. Pas arrêter passif à regarder, agir. Parce que là nèg yo frappé ro, nèg yo frappé fort, yo fèn crier. On pas quitter yo continuer fèn crier. On mette barrière pour yo. On limite yo. N'ap chercher yo, n'ap identifier yo, n'ap limite yo. M'ap sis ba nou on ti idée de sa sécurité présidentielle. Avant 1994, c'était la garde présidentielle. Tu gagnais deux unités qui t'a fait sécurité président, moi t'ai dit sous Duvalier et jusqu'à 1994. C'était la garde présidentielle qui jouait le rôle de USP, unité de sécurité présidentielle, qui était dans deux présidents, et les casernes des Salines qui étaient joué rôle la protection du palais et de la maison du président. C'était deux unités ça. Maintenant en 1994 avec le renvoi de l'armée et l'arrivée des Américains, en août 1995, bon décret qui sortit et yo consacré les trois unités responsables de la sécurité du président. L'USGPN, l'unité de sécurité générale du palais, que blanc yo l'a été formé, yo te relé NPRG, National Palace and Residence Guard, li changé nom au décret, yo metté en français, USGPN. Le 4e, c'est l'unité anti-embuscade, le président de yo, c'est lui qui joue rôle pour protéger président Sigon embuscade, les liens dans le président, lui joue rôle deuxième périmètre. Et l'USP, qui jouait Walt dans deux présidents, c'est nèg donc on voit en costume et c'est nèg so qui la caille président moi qui a dit en dans caille la même. Okay. Yo pas de yo. Et sous prend USP, 4 team et USGPN ou presque dans 500 moun. Donc ça veut dire on président pour protéger palais et la caille et ancien président, yo gagne environ 500 jusqu'à 600 moun. Parce que dans le cas palais et le président, au quatrième périmètre, c'est le 6 mois. C'est 6 mois avant d'arriver sur le président. Premier poteau joint, premier périmètre extérieur, et soit regarder le pas dehors. Quatrième périmètre avant de joindre le président, c'est le 6 mois. Que ce soit en Dabalea,
il a fait patrouille de Yobalea, que ce soit la caille président. Donc, normalement, j'ai question sécurité ça présenté, au monde pas ta ka franchi 4 périmètres pour arriver sous président, que ce soit dans le palais, que ce soit la caille. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons analysé, nous avons dit, c'est la théorie de l'insécurité. Le pays a pathogène d'insécurité, nous avons tombé de tous côtés. Eh bien, au niveau de la sécurité présidentielle, c'est la théorie de la vitre brisée. En théorie, en matière de sécurité, que James Wilson à George L. Kelling y ont mis dehors. Là, où est-ce qu'on a un côté, qui a venu et puis il y a une vitre qui est déjà brisée. Li pense kay sa pi facile pou antre parce que si gon vite ki brisé li ka fin brisé vite sa et brison l'autre parce que déjà gon espace pour entrer. Eh bien note nan question sécurité présidentielle là le que ou rivé ou quitté sécurité ça a fait l'autre mission ou quitté la fait la protéger directeur général la protéger conseiller la protéger, disons, l'autre monde, ou l'autre réflexe. Parce que le ou agent a protégé un directeur général, un ministre a venu, il n'a pas demandé directeur général là, ok, il ou un ministre là, il a quitté le ministre l'entrée. Par réflexe, parce que le ministre est le supérieur. Mm-hmm. Là, pour le premier ministre a venu, il a quitté l'entrée, le directeur général là. Alors que l'agent de l'UIGPN qui protège le président, il n'a pas quitté aucun monde entrée que si le président n'a pas ordonné. Ça veut dire que si on apparaît devant, eh bien, c'est soit le secrétaire général Palais qui voyait faire la balie, c'est soit président relais pour dire que il est entré. Même commandant, unité a pas qu'à changer feuille que secrétaire général Palais a voyé. Ça veut dire ou vient perdre du réflexe. Le nexa a deux, il a quitté tout le monde rentré. Et puis, le arrivé à président, ça fait me détourner. M'entendez que mon a vint qu'à président a dit Dieu, qui termine le monde avec Dieu. Même si tu dis, la sécurité présidentielle, Dieu n'est pas venu, nous pas dépendre de Dieu. Si Dieu ben, fait bagaille, la fait correspondance à sa président, moi-même, pas pour me quitter, personne ne rentre que si c'est président seulement qu'on donne. Donc, dans ce sens, moi, je crois que Dieu a un vide brisé dans le fait que vous avez gardé la sécurité à TIA et que tu as gagné un aller-venir qui n'est pas bon. La deuxième chose, la sécurité présidentielle. Les grands programmes d'entraînement chaque jour. L'homme des commandants de l'IAGPN. Le matin, vous avez le sport, vous avez les cours, petit déjeuner et ou bien entraînement dans l'après-midi. Eh bien, vous regardez l'unité SAIO qui parle d'entraînement, ils ont perdu réflexion de protection de deux côtés, palais et caille président. Donc, dans ce sens-là, tu es déjà dans une situation que plusieurs fois nous lançons appel, nous disons il faut faire attention. Et, question sécurité présidentielle, faut que à tout moment, eh bien, on garde qui s'est passé. Songez, ça qui est arrivé. Il n'était attiré attention sur lui. Ou songez, gros monde, président font réunion, et puis gagne un tremblement de terre. Et puis tout n'est couru. Toute sécurité n'est couru. Par contre, vous songez ça là. Toute sécurité couru pendant tremblement de terre. Le président s'est maquillé à Maïssa Kafoua. Pierre. Bon, comment fait que Gagontre, bon, les tremblements de terre, on est couvri, oui, pour le président. C'est couvri, si on va tomber sous tête, c'est couvri pour protéger le président, pour sortir avec elle. Donc, depuis le samedi, dit qu'on réflexe de manque d'entraînement. De manque d'entraînement au niveau de sécurité, ça. Bon, là, il dit qu'on est arrivé, bon, bureau président. L'entrée, heureusement, président bat là. Et pas heureusement, le bat là. Il y a des deux évoqués tout le monde. Ah oui. Pas. Sécurité président, c'est un bagage qui protégeait le plus grand personnage de l'État. Et à chaque fois que ça arrivait, il faut que vous preniez des sanctions. La question des mercenaires qui rentrent dans le pays, vous n'avez pas jamais cherché une explication de lui. Donc, vous attendez que l'autre mercenaire qui a essayé de rentrer. Parce que l'heure où tu es entré, mentionnez ça aux jeunes, tu dis, tu dois aller en prison. Pas que question de l'ambassade américaine qui t'a pris un nègre. Non, un nègre est entré sur le territoire avec ZAM, Lévin font mission, même si mission c'était pour un nègre dans le palais, tu dis, il faut que un nègre soit retiré dans la prison. Et ça pose un problème, puisque jusqu'à présent, c'est encore pas clair. Et là, ça n'a aucun mentionnez à mettre dans la tête qui est au cas de la pays.
Parce qu'il connaît que même si l'ambassade était venue, il y a flacou dans la prison. Théon l'autre nègre, tout un haïtien américain, je changeais M. Durozo, Livini, dans American Allies, avec fusil d'assaut, yo kebel, et puis il dit que yo remet les bas américains pour le répartir. À partir de ce moment, le climat qui crée dans le pays, c'est que on est Kavini, c'est quand Koumgadou sont savants. Et c'est des choses que je pensais que ni la police, ni unité, ni responsable, pas de jambes qui t'est arrivé. Ou pas qu'à quitter des nègres, rentrer en côté, et puis pour que l'aller sans que vous ne disiez rien, et le ça, ça a privé, ou après, vous dites, il y a des messieurs qui sont venus dans le pays, j'en suis venu. Et puis, le ça, c'est quand vous avez dit, nègres la pensé qu'en Haïti, il a fait ça, alors que la sécurité, c'est le premier des droits, et c'est la donne pour vous faire investissement. Donc, tout ceci, c'est pour te dire que, gon climat qui fait que nous arrivons là. Ça qui arrive, elle pas gain doit arriver non. Mais comme intellectuel, faut nous garder qui climat qui était gain là avant. Maintenant, dans cette situation. Est-ce que c'est sous permettre sénateur, est-ce que ces conséquences les sept mercenaires qui étaient rentrés et qui retournaient sans une explication claire. Est-ce sans une explication, c'est conséquence ça bon, qui fait que mon pensez au rentrer vite fait facile quoi. Non, les sept mercenaires, monsieur Durozo aussi, il dit son soldat américain, monsieur vient avec Zamli dans pays. Mais Mbaldo, monsieur son nèg tête droite, il connaît pas quand rentrer à Zam dans American Allies. L'est arrivé là, monsieur de prendre prison. Pour que n'importe qui est pas maintenant tête yo que ka vinn dans pays ça comme ça. Mercenaires, quel que soit ça ou te vin faire, même si tu es en mission, yo pas de gain droit sorti dans le pays sans que yo pas prendre peine yo. Et moi pense que je dis, le n'a pas gardé question, faut nous garder avec recul ça yo pour nous comprendre. Et c'est même bagaille ça qui a passé dans l'enquête là. Ça arrivé pour yo rentrer dans quatre périmètres pour yo arriver jeune président, c'est inacceptable. Et je dis, m'a gardé, gon enquête qu'a fait. Val. Intellectuel, l'enquête se réalise avec les sept périphériques. Premier sept périphériques qui était là, c'est unité yo, et à partir d'unité yo, c'est là pour remonter l'enquête là. L'équipe de service yo, ou à l'officier du jour. Bombaldo, dans les règlements de l'USP, l'on est venu contre président, surtout là, car il faut USPA accompagner mon nabay président, et faut le rester, m'gadou de l'époque là. Faut le rester là. Que, c'est pas comme ça qui va passer. Non, faut le tout pour le président. Parce que si le président a besoin, on bagaille, c'est peser un bouton pour ne pas rentrer. Alors, une grande explication que nous avons parlé avec un USP hier, ça tombe bien. Qui dit que depuis le président fin mouri, il y a travail par les nationales. Premièrement, il dit son honte pour le deal dans l'USP. Parce que le senti, je dis, non, mais son honte. Dit qu'on a USP ou dans les nationales, c'est comme si c'est barrière libre. L'idée travaille avec le président en haut. Ça veut dire qu'il connaît de qui ça l'a parlé. Li dit que lui-même il peut expliquer le mot président parce que comme il travaille en l'air, il comprend, il connaît l'air bien, gain de sécurité qui dans tête qu'elle a en l'air. Il dit que gagner, il était mon autre nom pas songer, le a bail message, pas gain message secret. Le a bail un message tout le monde connaît. Il dit au directeur dit tel bagage comme si le directeur mandé pour faire tel bagage. Kounien, ça va arriver comprendre comment un ensemble de monde vient rentrer. Tout agent est là, qui compte les messages en sortie, puisque si les messages sont publics, ils ont tout tapé qu'on est. Même si elle n'a pas de droit secret. Si le secret, est-ce que c'est dans un chaque monde qui a le message? Donc, monsieur, pour que j'aime qu'à comprendre comment l'amour en fait. Bon, monsieur, nous devons arriver là. Moi, je vais expliquer de un monde qui va le président. Même si son monde qui est rentré, il faut avoir un USP qui l'a. Et le monde qui a passé trois périmètres, il faut avoir retiré les âmes sous lit. Il faut passer 6 mois, il faut passer l'IGBN, il faut passer 4 teams là. Avant que la loi est président. Okay. Donc, Mounsa, l'aile arrive supposé clean, il pas supposé gagner un yen sous le lit. Même s'il a un petit couteau plastique, il faut retirer. Et puis, il faut USP à après. Bon, admettons que c'est des mouns qu'on y a qui attaqué. Mais si Mounsa a attaqué, justement, il faut attaquer 6 mois. Admettons 6 mois tombé USP à, qui ont même une position fortifiée. Parce que si moi yo exposé parce que yo dans la rue mais USP non position fortifiée parce que yo derrière mur donc le monde ça t'a venir faut que justement qu'a une réponse qui baille maintenant l'offre une baille réponse ça admettons t'a franchi troisième périmètre là
qu'on y a ou supposé qu'il y a 4 teams qui en l'air. En l'air tête là. Qui ont même une position fortifiée et dominante. Donc, ça veut dire que même si Nexa a franchi ça, pendant ce temps, Nexa a oublié. Et troisièmement, si son attaque qui fait comme ça, USP a supposé oublier à président. Allons côté avec le protéger. Parce que la bataille n'est pas faite. Et Val, si on bat à UGPN, ça, bon, même si on bat, ça prend 5 à 10 minutes. Pendant 5 à 10 minutes, la 4 team l'a protégé. Okay. Et pendant ça, USP a fait repli à président Madame Lé. Yo pour aller nos côtés, renforcer pour yo protéger, pour yo arriver sur lui. Et en même temps, tout pour yo garder les renforts. Parce que, moi, bon, deux exemples, si son monde qui est rentré pour faire pénétration, go côté la privée, il a fini cliné, USP a prendre aller, il pas qu'à faire puisque il pas gagner aucune arme dans même. Si son attaque quatre lignes ça yo parce que quatre périmètres, okay. Le Simo, le RGPN, le 4 team et l'USP. Si c'est attaque la fait, eh bien pendant attaque là, USP gon mission pour le prendre président pour le mettre en lieu sûr. Même genre si président dans cortège li, si président dans cortège li, si on attaqué cortège là, le 4 team a fait option de défense là, USPA a fait option de couverture et de couverture avec le président, USGPN a fait option de protéger la loi, le périmètre. A dit l'ordre qui trois unités, yo pa gen mémoire là. USP c'est repli avec président. Par exemple, souè yo rive yo t'a tiré sur président, yo même yo ka vini, yo gen gilet pa balio pour couvrir président. Quatre team là pendant cette bataille à moun qui fait ça et USP a protégé terrain. Et si c'est dans Kaela, c'est même bagarre là qu'a fait. Mais c'est ça qui explique que rien n'est pas fait dans tout ça nous dit là. Yo. C'est ça fait jeudi à moi. C'est une seule rentrée, une seule sortie, il y a plusieurs lignes qui ça selon vous-même qui en fait gagne des idées, expériences dans sécurité qui qu'a expliqué que pas gagne rien qui fait, on peut pas tirer et il arrivé côté président yan dans assassiner le Krabinel. Ça me pas comprendre. C'est ça me pas comprendre parce que normalement ça pas dû arriver, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, j'étais dû comprendre à partir de l'enquête parce que il y avait j'entendais dans la radio 26 monde qui étaient de service. Donc c'est à partir de monde ça qui pour expliquer pour qu'il ça va réagir. Ça c'est la première chose. Alors tout permet tout, est-ce que puisque vous êtes dans l'armée ou dans la police. Maintenant et directeur général là parler des questions de isolement. Maintenant quantité monde ça là, on dit nous qu'il y a 6 personnes qui sont en isolement. Il y a environ 26 personnes, 24 21. C'est leur information. Ok. Maintenant, qui ça qui explique que c'est des mesures conservatoires? Est-ce que c'est dans la prison ou quelque part? Ou bien au gars dans la nature? Qui ça qui t'a dû faire normalement dans une situation côté que personne ne va comprendre? Pour qui ça? C'est comme ça ça a passé. Et monde qui t'a censé de témoin privilégié. Et puis, finalement, monde ça, avant, on t'a cherché l'autre pour nous dire venir. Est-ce que pas gagné, est-ce que l'est interdit pour te mettre tout groupe moun sa yo en côté pour répondre question de la justice? Est-ce que la police a interdit ça? Non. Isolement c'est des mesures conservatoires, mais ça qui est important pour nous c'est interrogatoire moun sa yo qui pour permettre nous remonter et population connaît ça qui passé. Parce que je dis à ça qui passé à pas de arriver. N'importe qui est qui homme d'état ou t'a toléré ça, ça veut dire demain ou quatre jours même genre tout. Donc mais Jean y a fait question enquête là, c'est qu'un Koumgadou son bagage qui a traîné en longueur et jusqu'à présent personne pas ca fin rétablir ça qui passé. Et pour rétablir il faut aller à partir du premier cercle. Et mais, alors je peux mettre qui ça qui a expliqué que autorité ou connaît ça, c'est du spécialiste, c'est du stratège dans question sécurité. Qui ça fait que la population a une impression, a négligé témoin ça? Moi-même, je ne pas comprendre, c'est peut-être ça que m'a expliqué comment elle a dû faire. Okay. Et moi-même, d'arrêté, que les faits, Jean lis, ont appris et Jean lis dans le livre-là. Maintenant, il y a l'autre bagaille pour l'autorité haïtienne garder dans la question enquête-là. La question de, disons, de la Colombie, monsieur. Nous connaissons les pays, ils lient à travers l'Interpol. Maintenant, Colombie, mes sénés ont monté, descendre, mes sénés ont rentré, ils disent que mes sénés étaient venus ici, qu'ils n'ont pas participé, qu'ils n'ont pas retourné. Comme si tout mouvement sera fait, Colombie va connaître.
l'intelligence colombienne, qui ont intelligence très expérimentée à cause de combats menés avec FARC. Yo pa konnen. Et c'est peut-être ça, moi dit, je dis à Colombie, yo ka utilise l pour que li baille des informations, mais li pa ka au devant de l'enquête. Parce que Colombie, comme pays allié et ami, t'as supposé déjà transmettre toute information de va-et-vient qu'a fait entre Haïti et Colombie. Il a supposé transmettre information à la police haïtienne. Il faut demander au sénateur, il faut exiger au moins passer. Non, pas besoin, non, on pas besoin de demander. Si depuis qu'on a information à travers l'Interpol, que vous pensez qu'il y a nous, tel monde qui est entré sur le territoire, vous devez souligner ça. Non, mais si vous n'avez pas intérêt, vous n'avez pas le sénateur. Ah oui, ah, mais ça fait nous, moi-même, donc je n'ai pas intérêt à mettre l'enfant en quête. Non, mais écoutez, sénateur. Moi-même, m'a confié enquête à DCPJ pour que l'enquête soit autonome, indépendant, mais m'a pris des informations dans l'autre pays, même pas mettre là-dedans, parce que si on n'a pas intérêt à information, c'est que pour moi, on va y être caché. Est-ce que l'autorité haïtienne, le sénateur, comprend ça ou même, moi, je dis là? Ah. Ou du moins, est-ce que quelque part, yo pas gain intérêt yo même pour intégrer Colombie dans question enquête là, question pour falsifier pas connait et quelques éléments qui t'a cap très utile à avancement enquête là. Moi même moi, d'après Jean il a expliqué va et vient qui fait tout avant, moi même personnellement m'pa t'a intégrer l'enquête là, m'ta demander pour fournir les informations. Le traitement de l'information m'a fait ici. Parce que l'État supposé bas information ça avant l'Interpol, depuis c'est monde qui était qu'à menacer intérêt paysan. Parce que son pays a millier. Est-ce que ça va expliquer qu'il n'y a pas d'intelligence? Ah oui, bon, qu'on y a. Qui est-ce qui a bas information là-haut? Si vous bas information à intelligence là, que le pas fait rien, ça sont l'autre domaine. Ok, mais en expliquer tout. Et même le VI. Parce que il y a des transactions qui fait à l'étranger. FBI a gonjé loin information, faut le signaler à la police haïtienne. Exactement. Maintenant, nous ne pouvons pas rentrer dans la question de monde qui était bien loin et puis a dit arrêter les policiers. Nous même nous dans le pays, hein, si on a arrêté tous les policiers, nous avons connu. Nous parlons de question de 6 personnes qui sont en isolement et des mesures conservatoires. Et je ne crois que ni isolement ni mesures conservatoires veulent dire arrestation pour les policiers. Non. Ce n'est pas ça lié. C'est pas arrestation. Maintenant, nous avons regardé un film. Côté que c'est l'ancien président Reagan qui était attaqué, il y a une sécurité, il mourit, etc. Maintenant, FBI était présent dans la protection. Ils ont évité de mettre FBI dans l'enquête. C'est ça, mon Dieu. Ils n'ont pas mis FBI dans l'enquête. Non, ils n'ont pas mis. Parce que, comme FBI était présent dans le lieu, dans la scène, côté action en passé, et dans la sécurité, ils ont écarté de l'enquête. Ils ont écarté. Qui ça qui a passé? Le, par exemple, un pays, il y a un ensemble d'anciens militaires, de gens qui travaillent pour le pays. Qui impliqué dans un acte assassinat tant que ça n'a vive en Haïti hein? Et c'est vrai que en pile monde comprend qu'il y a des informations nous besoin dans mes Colombie, mais mettez en dedans enquête là dans jambe nous fait là, est-ce que pas gain deux possibilités, ou bien yo aider une jeune preuve ou bien yo effacer preuve dans la mesure où ça ca mettre yo même en difficulté. Ou reprenne exactement dans la ligne que m'a campagne, c'est que moi pense que le gon enquête qu'a fait, bon, même ici, le chef de la police, il va être devant la scène. Tu dois quitter la DCPJ faire enquête là. Parce que le ou arrivé, disons, en Colombie, m'a regardé un papier que vous publiez, côté tout le monde monte et descend. A monté et descend. On paye gon intelligence. Il faut connaître que il y a des gens qui sont déplacés à leur mission. Et qui mission que vous avez. Et si mission ça, lui-même, lui en rapport avec l'intérêt national de l'autre pays, il faut vous avertir ou bien vous même ordonner que vous rentrez dans le pays. Parce que si c'est des anciens militaires, c'est-à-dire qu'ils sont à la retraite ou réformés. Et qu'ils dépendent toujours d'une certaine façon de l'armée colombienne. Parce que ancien militaire là pour un temps le fin bail et soit mettre là la retraite soit réformer dans le sens qu'on carré il est encore à n'importe quel moment pour le retourner. Donc en ce sens moi-même moi pensé il y avait des failles dans tout le système qui menaient nous à une situation côté que nous t'a patougé dans l'insécurité. Ce qui est arrivé est inacceptable parce que la démocratie ne vit pas de violence,
Donc, il faut connaître exactement ce qui s'est passé. Et puis, on connaît ce qui s'est passé, il faut remonter à partir des cercles périphériques. Il y a des gens qui étaient de service, mm-hmm. ils ont dit exactement comment ils ont franchi ça pour arriver là, qui est-ce qui était franchi, qui a été retenu, et à partir de ce moment, on a remonté dans le deuxième et troisième cercle. Et la quatrième chose, c'est qu'on doit donner les moyens qu'il faut à la DCPJ pour que lui recevoir des informations, mais c'est lui qui traite l'information, parce que là, où il y a deux pays qui ont affaire avec, mais dont pile mouvement est fait la caillou, qui a supposé déjà averti l'État haïtien. Très bien. Sénateur Attentu, en fait, jeudi, il y a un ensemble de questions qu'il a posées. C'est vrai que il y a des gens qui ont arrêté, il y a des gens qui ont trouvé comme des gens qui étaient des acteurs physiques, c'est-à-dire qui étaient présents, et qui étaient bah, l'autre dans la question assassinat. Cependant, il y a une forme de assassinat comme ça, qui a des mercenaires, des étrangers, et des haïtiens, et il y a des enquêtes qui fait qui montraient qu'il y a des corps qui transféraient. Selon ou même dans l'expérience ou avec quantité de monde qui est impliqué, nombre de mercenaires, est-ce que vous avez une idée de quantité de l'argent que tu as dépensé pour organiser une forme d'assassinat comme ça, de monde qui fait va-et-vient, rallye Menevini, les fêtes entre plusieurs pays, la Colombie, la République Dominicaine, les États-Unis et Haïti? Et je n'ai aucune idée de ça. De toute façon, c'est une enquête là, à partir d'auditions, d'interrogations, que vous pouvez arriver à cela. Moi-même, je vais plutôt aborder la question sur le plan technique de monde qui a déplacé ça. Yo. Premièrement, je vais dire que le monde mercenaire vient en Haïti qui est allé, c'est un très mauvais exemple. Parce que si vous êtes bas en prison, pas de gens qui t'ont fait question mercenaire dans le pays d'Haïti comme ça encore. Ça, c'est yon. Deuxièmement, moi crois que le mercenaire qui a déplacé pays côté au soutien a supposé au courant et yo supposé connait qui mission yo devine faire au moins intelligence là il gen droit pas officiel il gen droit yo gen droit information pas veut mettre le dehors mais yo était important pour que yo te transmettre information sur Haïti parce que Haïti jusqu'à présent connaît son pays allié lié que ce soit de la Colombie que ce soit des États-Unis nous avons même organisation qui gen OEA Organisation des États américains, qui gagne la donne échange d'informations, échange d'intelligence, et Interpol, lui-même, lui en dans OEA, côté que, il y a recevoir information, et pays qui a fait échange d'informations à travers l'Interpol. Donc, je dis, je vous prends exactement ce que je dis à campagne, si gagne une unité, ou bien une implication, unité ça, il n'y a pas d'enquête là encore. Même si, il n'y a pas de rien à voir avec elle, dès que tu es souterrain ou bien tu es impliqué dans un niveau de sécurité, tu n'as pas la donne. Parce que c'est comme ça que je dis à Simo, USGBN, USP, donc Simo n'a pas fait enquête. Parce que tu es là, il te doit assumer sécurité. USGBN n'a pas fait enquête, DCPJ a fait dans la mesure, c'est l'unité d'enquête. Mais DCPJ a une grande autonomie parce que leur parler de crime dans le niveau ça, n'importe qui est impliqué. Donc, dans ce sens, moi, je pense que faut nous garder des questions, pas de façon émotionnelle, faut nous connaître un pays côté déjà insécurité à l'état pathogé, qui était un pile cas pour nous punir, prendre des décisions. Je me souviens que le Sénat campé nous m'a dit arrêter M. Nessayo, mais qu'il y a dans prison, voler devant le juge pour condamner, qu'il y a moi, je dit échange. Et judiciaire qui te ka permettre que vous même y'a subi pénion l'autre côté. Mais vous t'a déjà condamné. Il n'y pas fait. Et exemple, ça n'a pas aidé pays à gagner autonomie que pays a gagné. Parce que vous avez une campagne, moi toujours vous dis. Sécurité, il y a deux parties là-dedans. Il y a territoire, il y a des gens avec bien qui vivent sur territoire. Territoire, c'est l'armée. Les gens qui vivent avec bien, c'est la police qui protège. Jodia, l'armée pas qu'à protéger le territoire, c'est la police. Et la police qui a protégé là, ça veut dire que li doit sous frontière, li en l'air, li dans la mer et la protéger via bien. L'autre situation qu'on ça déjà, son situation presque mette kadou insécuritaire. Parce que le monde qui a protégé le territoire, li pas gen même formation à monde qui a protégé moun yo. Donc la police vient presque en difficulté pour protéger le territoire. Et le territoire n'est pas protégé, déjà,
faut que la police très rigide, parce que si la police pas rigide, moun va penser que territoire ça libre, tout bagay ka fait sous li et yo ka rentrer n'importe qui gens, yo utiliser port, aéroport, tout bagay. Et pas oublier que l'aime dit protéger territoire là, je parle du territoire aérien. Jodi a sur un hélicoptère a sorti Saint-Domingue pour venir Haïti, l'a demandé autorisation disons de ministère des Affaires étrangères pour dire que mon hélicoptère qui a venu, ça c'est d'après les conventions. Mais quand un hélicoptère qui pas voulait demander autorisation qui décide de venir, est-ce que Haïti a des moyens pour le contrôler ou bien pour la battre? Non. Donc dans ce sens ça, le que nos pays ont manqué capacité ça yo, faut que ou développer question d'intelligence ou faut que rapport avec l'autre pays yo, c'est ou même qu'al chercher li parce qu'on manquait de capacité nationale. Et jodi a ou se pose en question là, est-ce que Colombie va de vos informations, il va d'occuper, est-ce que nous même nous te nous gen moun nan Interpol qui représente nous pour nous faire nous connaître information ça yo. Moi crois que le que au niveau de capacité nationale défensive ou sécuritaire ou diminuer, faut que ou renforcer capacité ça yo qui vous permettre ou kembe en attendant mettre sous pied. Parce que campagne aujourd'hui grand pile pays qui dit renvoyer l'armée, renvoyer l'armée, pas aucun pays à part de Costa Rica qui te font expérience qui te renvoyer l'armée, et jusqu'à présent une police militaire qui puis faut passer l'armée. Parce que pays yo comprendre rôle institution ça yo dans protéger territoire avec dans protéger justement population. Et le cas ça yo rivé, faut nous dire nous condamner, nous pas rivé, mais faut nous prendre les mesures. Si ça vient rivé et puis nous rester nous simplement chercher qui est-ce qui fait et puis nous quitter sécurité à Haïti ça n'a pas victime encore. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien ou remé pays et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick l'en même voix. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.